Nous voulons, Seigneur, parcourir avec toi le chemin de la croix, avec notre pape François, qui nous appelle à prendre une part active dans la nouvelle évangélisation, en goûtant la joie de l'Évangile. Nous voudrions te demander pardon de nos péchés et prier en réparation pour les nombreux péchés de notre humanité. Nous te confions les hommes, les femmes et les enfants qui souffrent atrocement à cause des guerres, du terrorisme et de l'exil. La haine et la violence n'ont pas diminué depuis le début du troisième millénaire. Ô Jésus, par le triomphe du cœur immaculé de Marie, puisse le don de la paix être bientôt donné à notre monde, tout particulièrement au Moyen-Orient, en Afrique. Viens, Esprit Saint, ouvre nos cœurs à la contemplation de la passion de Jésus et aide-nous à faire ce chemin de croix en partageant les sentiments du cœur douloureux et immaculé de Marie et des amis de Jésus. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. À la page 161. Ô Sainte Mère, dans nos cœurs, fixez l'empreinte des douleurs dont souffrait le Christ en croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Première station, Jésus est condamné à mort. Ô Jésus, en entendant ta condamnation à mort, tu ne dis rien, tu te tais, tu offres et tu continues à aimer ceux qui te condamnent à mort. En cette année 2015, tu entends de nouvelles condamnations à mort par les attentats contre la vie. Avortement, euthanasie, les actes barbares du terrorisme, les guerres, les injustices qui frappent les petits et les pauvres. Nous voulons, Jésus, souffrir avec toi et te consoler. Jésus, en cette année 2015, nous voulons témoigner de la vérité, de la vie, de l'amour et défendre la famille. Mais souvent, nous ne sommes pas entendus. La France, la fille aînée de l'Église, s'est émancipée de plus en plus de la loi naturelle. Nous voulons t'imiter et prier et offrir pour la conversion de nos gouvernants. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Jésus, connaissant leur perversité, riposta : Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Ils lui présentèrent un denier et il leur dit : De qui est l'effigie ? Que voici ? Et l'inscription ? Ils disent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour nos peurs et nos lâchetés, pardon Jésus. Pour avoir manqué d'amour et de générosité, pardon Jésus. Sur nos responsables politiques, répands ta miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen.
Accusé par tous ces ingrats, vous qui veniez pour le rachat, vous ne le répondez pas. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Ô Jésus, tu embrasses cette croix que ta nature humaine redoute tant et qui te fait suer du sang et de l'eau. Tu veux accomplir jusqu'au bout la mission que ton Père t'a confiée, la mission de la rédemption des hommes pécheurs par le sacrifice de la croix. Grand prêtre de la Nouvelle Alliance, tu embrasses l'autel de la croix. Jésus, nous ne savons pas embrasser généreusement les croix que tu nous tends amoureusement pour t'aider à sauver les âmes. Tu souffres lorsque tu vois que nous avons honte de ta croix. Ô Notre-Dame, aidez-nous à comprendre que pour participer à la nouvelle évangélisation, nous devons prendre aussi notre croix. Nous voulons embrasser avec amour la croix que tu nous tends. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Que servira-t-elle donc à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Merci Jésus d'avoir embrassé ta croix avec tant d'amour. Merci Jésus d'avoir embrassé ta croix avec tant d'amour. Pardon Jésus d'avoir peur de la croix. Pardon, Jésus, d'avoir peur de la croix. Par ta croix, fécond de la nouvelle évangélisation. Par ta croix, fécond de la nouvelle évangélisation. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Nous voulons prendre dans nos bras la croix que vous portiez si là. Maître, nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Ô Jésus, tu tombes pour la première fois sous le poids de ta si lourde croix. Tu souffres beaucoup, mais tu penses à ta mission de rédempteur, sauver nos âmes. C'est pour elle que tu as généreusement accepté l'incarnation rédemptrice. Ta mission te donne l'énergie pour te relever et aller jusqu'au bout du douloureux chemin du calvaire. En cette année 2015, ne nous décourageons-nous pas trop souvent devant les échecs de notre mission au service de l'Église et de la famille ? En te contemplant écrasé sous le poids de la croix, comprenons que ces échecs ne sont pas des échecs de fond. Aide-nous à nous relever et continuer avec conviction à témoigner des valeurs non négociables. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit,
Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Merci Jésus de t'être relevé de cette première chute. Merci Jésus de t'être relevé de cette première chute. Pardon Jésus de nos trop nombreux découragements. Pardon Jésus de nos trop nombreux découragements. Rends-nous courageux pour ne pas reculer devant les difficultés. Rends-nous courageux pour ne pas reculer devant les difficultés. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Vous avez porté d'autres bois, mais vous tombez sous votre croix. Nos péchés ont donc ce poids. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Contemplons avec un cœur pénétrant et reconnaissant le baiser d'amour du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, appelé par Dieu le Père à engendrer la nouvelle humanité de ses enfants, né de l'eau et de l'esprit. Remercions avec reconnaissance Jésus et Notre-Dame d'avoir accepté de souffrir en aimant et d'aimer en souffrant pour nous sauver. En cette année 2015, aimons-nous et prions-nous suffisamment la Vierge Marie ? À la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, nous voulons participer plus activement à la mission maternelle de Notre-Dame en vue de la conversion de la fille aînée de l'Église et goûter la joie d'enfanter des âmes pour le ciel. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie nul ne vous l'enlèvera. Jésus, Marie, merci de nous avoir enfantés à la vie divine. Jésus, Marie, merci de nous avoir enfantés à la vie divine. Pardon d'avoir eu peur d'offrir des sacrifices. Pardon d'avoir eu peur d'offrir des sacrifices. Renouvelez le monde par de saints consacrés. Renouveler le monde par de saints consacrés. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix.
Nous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Cinquième station, Simon de Cyrène est réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. Ô Jésus, où sont tes apôtres qui t'ont entendu les appeler à prendre la croix pour te suivre ? Et qui ont eu le privilège de participer à l'institution de l'Eucharistie. Ils t'ont tous abandonné. Tes ennemis sont obligés de réquisitionner un païen pour t'aider à porter la croix. Simon de Cyrène ne sait pas qui tu es. Il ne peut comprendre ton amour. Ô Jésus, tu appelles notre pape, les évêques, les prêtres et les diacres, à t'aider à porter ta croix. Pour sauver ce monde, tu as besoin de nouveaux cyrénéens. Nous offrons à ton Père tous tes mérites, afin qu'il nous envoie de nouvelles vocations de prêtres dont ton Église a absolument besoin. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Jésus, merci d'accepter notre aide pour porter ta croix. Acceptez notre aide pour porter ta croix. Pardon et réparation, Jésus, pour nos trahisons. Pardon et réparation, Jésus, pour nos trahisons. Que tous les prêtres soient tes bons cyrénéens. Que tous les prêtres soient tes bons cyrénéens. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Par la souffrance et la bonté, Seigneur, nous voulons vous aider. Sauver le monde entier. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Ô Jésus, l'acte délicat, compatissant et viril de Véronique révèle l'importante mission maternelle de la femme au service de la famille, de l'Église et de la société. Véronique a essuyé avec beaucoup d'amour et de compassion ton visage défiguré par les coups et les crachats. Elle s'est montrée beaucoup plus courageuse que les hommes. À sa suite, nous voudrions honorer ta sainte face et te consoler. La France, malgré les centaines de milliers de Français
qui se sont levés pour dire un non ferme à la dénaturation de la famille, défigurent le plan de Dieu sur la femme et la famille. Puisse la mission irremplaçable de la femme être reconnue et protégée par nos gouvernants, et les enfants recevoir une éducation conforme à la loi naturelle. Une maîtresse femme, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que les perles. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Tromperie que la grâce, vanité la beauté. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge. Ô Jésus, merci d'avoir imprimé ta sainte face sur le voile de Véronique. Ô Jésus, merci d'avoir imprimé ta sainte face sur le voile de Véronique. Pardon et réparation, Jésus, pour la dénaturation de la famille. Pardon et réparation, Jésus, pour la dénaturation de la famille. Envoie à la France de nouvelles Jeanne d'Arc en vue de sa conversion. Envoie à la France de nouvelles Jeanne d'Arc en vue de sa conversion. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nos âmes sont votre portrait, mais bien souvent ils disparaissent. Nos péchés voilent vos traits. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Huitième station, Jésus rencontre les filles de Jérusalem. Ô Jésus, ta mission de rédempteur ne s'accomplit pas dans la facilité. Tu tombes une seconde fois à cause du poids de la croix, de ton épuisement et de la damnation éternelle d'âme que tu as rachetée. Mais tu te relèves, car tu veux arracher ces âmes à l'enfer. Notre pape François nous a rappelé que tu ne te fatigues jamais de pardonner. Avons-nous, comme toi, le souci du salut des âmes? Que faisons-nous pour t'aider à sauver les âmes de la damnation éternelle? Puissent nos cœurs être consumés en vérité par la passion du salut des âmes. Qu'à la suite de notre pape François, nous soyons des apôtres infatigables de ta divine miséricorde et que nous invitions, sans nous lasser, nos frères et sœurs à ne jamais se fatiguer de te demander pardon. C'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je te donne un titre sans que tu me connaisses. Je suis Yahvé. Il n'y en a pas d'autre, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te sains afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fais tout cela. Cieux,
épanchez-vous là-haut et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, qu'elle fasse germer en même temps la justice. Ô Jésus, merci d'avoir dit oui à la mission du serviteur souffrant. Pardon de ne pas avoir été généreux pour arracher les âmes à l'enfer. Avec notre pape François, soyons les apôtres de ta divine miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Tombez pour la seconde fois, gardez dans l'espoir et la foi ceux qui tombent tant de fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Huitième station, Jésus rencontre les filles de Jérusalem. Ô Jésus, tu n'es pas replié sur tes souffrances. Épuisé, tu évangélises les filles de Jérusalem. Leurs larmes sentimentales ne sont pas profondes, mais tu es touché par leur présence et tu leur révèles la vraie dévotion, la contrition motivée par l'amour de Dieu. Évangéliser, c'est rappeler avec l'énergie et l'amour de Saint Jean-Baptiste, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En cette retraite, tu veux nous faire entendre ton appel à la conversion. Pour participer à la nouvelle évangélisation, nous devons annoncer sans compromission l'Évangile de Jésus. Que notre oui soit oui. Que notre non soit non. Le politiquement correct n'obtiendra pas la conversion de la France et de l'Europe. Seul le courage et le témoignage de l'Évangile de la vérité l'obtiendront. Notre pape François nous a appelés à ne pas avoir peur d'aller à contre-courant. Aide-nous, Jésus, à être courageux, ferme et convaincu en étant fier de servir l'Église et la vérité. Le Seigneur attend de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié, car Yahvé est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses. Dès qu'il l'entendra, il te répondra. Ô Jésus, merci d'avoir évangélisé les filles de Jérusalem. Pardon d'avoir eu peur de témoigner de l'Évangile. Pardon d'avoir eu peur de témoigner de l'Évangile. Que nous soyons tous zélés pour la nouvelle évangélisation. Que nous soyons tous zélés pour la nouvelle évangélisation. Ayez pitié de nous, Seigneur.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et des défunts reposent dans la paix. Ô Jésus, vous nous apprenez à ne pleurer que nos péchés. C'est par eux que vous souffrez. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous... Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Ô Jésus, par tes seules forces humaines, tu n'aurais pas pu te relever de cette troisième chute, mais tu as supplié ton Père de te donner la grâce de pouvoir accomplir parfaitement ta mission de Rédempteur. C'est l'amour de nos âmes qui t'a donné cette héroïque énergie pour aller jusqu'au bout du sacrifice. Merci, Jésus. Ô Jésus, Mère Marie-Augusta invitait ses enfants spirituels à exercer leur mission dans l'humilité. Nous avons beau vouloir et faire, notre nature humaine est là, et nous pouvons chuter bien lamentablement. Notre pape François ne cesse de dire que nous sommes tous des pécheurs. Donne-nous la grâce de comprendre que nous sommes de pauvres et petits instruments dont tu veux te servir pour faire l'œuvre de ton amour. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? Ô Jésus, merci d'avoir accepté cette chute si humiliante. Merci d'avoir accepté cette chute si humiliante. Pardon et réparation pour notre orgueil qui stérilise la mission. Pardon et réparation pour notre orgueil qui stérilise la mission. Renouvelle le cœur des baptisés par l'humilité et la confiance. Renouvelle le cœur des baptisés par l'humilité et la confiance. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et des défunts reposent dans la paix. À quoi bon verser tant de sang pour des pécheurs impénitents? Mais votre amour est si grand. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ô Jésus, aucune humiliation ne t'a été épargnée. Tu es dépouillé de tous tes vêtements à la vue de tes ennemis et des badauds. Tu as accepté ce dépouillement pour expier les péchés d'impureté.
Dépouillé de tes vêtements, tu regardes avec amour et tendresse tes frères et sœurs défigurés par l'impureté. Tu les aimes et les appelles au salut. Mais tu regardes aussi tes frères et sœurs revêtus des habits de la mondanité spirituelle. Puisse l'appel de ton pape François aider tous les baptisés et surtout les consacrés à se dépouiller du cancer de la mondanité spirituelle. Ô Jésus, sommes-nous suffisamment courageux et motivés pour combattre l'immoralité grandissante en notre France et en notre Europe apostate? Notre père fondateur et mère Marie Augusta ont compris en 1948 qu'il faudrait mener le combat olympique de la pureté. Jamais le monde n'avait connu un tel déferlement d'impureté. Que vienne bientôt le triomphe du cœur immaculé de Marie. Que ton amour divin purifie, fortifie et transforme l'amour humain. Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Ô Jésus, merci d'avoir accepté ce dépouillement si humiliant. Pardon et réparation pour les si nombreux péchés d'impureté. Aide-nous à mener le beau combat olympique de la pureté. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. De tout vous êtes dépouillés, et par là vous nous enseignez l'amour. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Ô Jésus, quelle effroyable douleur dois-tu ressentir par cette horrible crucifixion. Ô Notre-Dame des douleurs, votre cœur saigne en entendant les coups de marteau rivant les mains et les pieds de votre Fils sur l'autel de la croix. Sainte Thérèse, Marthe Robin, Mère Marie Augusta ont dit un oui généreux à leur mission de victime d'amour. Nous sommes faibles, mais nous désirons ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Jésus, pour sauver le monde qui s'égare de plus en plus en rejetant la loi de Dieu,
Tu as besoin, en plus des prêtres, de consacrés et de saints laïcs qui acceptent librement et par amour de collaborer avec toi, l'époux crucifié. Pardon de ne pas suffisamment prier et offrir pour obtenir des vocations. Donne à ton Église les consacrés qui t'aideront à embraser ce monde au feu de ton amour. Redonne confiance aux consacrés et prêtres qui se sont découragés. Tu ne te fatigues jamais de pardonner et jusqu'aux trahisons. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ô Jésus, merci d'avoir laissé transpercer tes mains et tes pieds. Pardon d'avoir peur de la mission de victime d'amour. Pardon d'avoir peur de la mission de victime d'amour. Donne-nous de saints prêtres et de saints consacrés. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. C'est qui vous avons cloué sur la croix les mains et les pieds. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Ô Jésus, avec la Sainte Vierge, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean et tous les amis de ton cœur, nous nous tenons au pied de ta croix pour recueillir tes dernières paroles et offrir au Père les mérites infinis de ton sacrifice rédempteur. Ô Sainte Mère des douleurs, aidez-nous à comprendre qu'en mourant sur la croix, par obéissance à son Père, Jésus a parfaitement accompli sa mission de rédempteur en révélant l'amour parfait, donner sa vie pour sauver ses frères et sœurs pécheurs. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Ô Jésus, pardon d'être trop habitué à ta passion. Mère Marie Augusta et notre Père fondateur ne se sont jamais habitués à ta croix. À leur suite, nous voudrions mieux participer à la messe et vivre chaque vendredi avec la pensée de ta passion. En union avec notre pape François, nous consacrons notre monde à ta divine miséricorde. Puisse le désert spirituel de notre humanité refleurir en civilisation de l'amour par les flots de miséricorde qui jaillissent de ton cœur ouvert. Père,
l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ô Jésus, merci de nous avoir aimés jusque-là. Ô Jésus, merci de nous avoir aimés jusque-là. Pardon de ne pas savoir offrir tes mérites infinis. Que le monde soit renouvelé dans ta miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Nous vous aimons, Jésus mourant, car il n'est pas d'amour plus grand que de Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. 13e station, Jésus est descendu de la croix et déposé dans les bras de sa mère. Ô Notre-Dame des douleurs, votre cœur immaculé est transpercé par un glaive de douleur. Par votre oui à l'Annonciation, vous êtes devenue la mère de Dieu. Par votre oui au calvaire, en union au oui de votre Fils mourant pour nous sur la croix, vous êtes devenue notre mère, la mère de tous les sauvés. Puissions-nous ne jamais oublier que nous avons été engendrés à la vie divine par la passion de votre Fils, l'unique Rédempteur, et par votre compassion maternelle, ô Mère bien-aimée. Merci pour tant d'amour. Notre monde connaît une très grave crise spirituelle, morale et économique. Les compromissions politiques ne peuvent pas obtenir la vraie paix, tant désirée par les petits et les humbles. Parce qu'un changement radical est à opérer dans les relations entre les nations. Le message prophétique de Fatima révèle le plan de Dieu. La civilisation de l'amour sera le fruit du triomphe du cœur immaculé de Marie. En communion avec notre pape François et Benoît XVI, hâtons par nos prières et nos offrandes ce triomphe. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme au travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né.
Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celle qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ô Notre-Dame, merci de votre maternelle collaboration à la rédemption. Ô Notre-Dame, merci de votre maternelle collaboration à la rédemption. Pardon de ne pas savoir compatir à vos souffrances maternelles. Pardon de ne pas savoir compatir à vos souffrances maternelles. Que vienne le triomphe de votre cœur immaculé. 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 Nous vous adorons, ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Ô Notre-Dame des douleurs, gardez vivante dans nos cœurs les blessures du Sauveur. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. 14e station. Jésus est déposé dans un tombeau. Ô Mère des douleurs, la pierre du tombeau est roulée. C'est la nuit obscure, la nuit profonde de la foi. Quelle est héroïque votre foi, ô vous qui avez toujours cru. Pendant cette nuit du tombeau, Mère admirable, vous n'êtes pas replié sur votre indescriptible douleur, mais vous remplissez votre mission maternelle en réconfortant, en fortifiant et en préparant à la résurrection les apôtres, les saintes femmes et les disciples. Ô Notre-Dame, de nombreux frères et sœurs chrétiens sont persécutés en notre monde, en Syrie, en Irak, en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres pays. Ils vivent la nuit de la foi et souffrent les persécutions suscitées par Satan. Nous souffrons en notre Occident un autre type de martyr, le martyr moral en ce temps de grave éclipse de Dieu. Fortifiez-nous par votre témoignage héroïque et votre action maternelle, afin que nous soyons les zélés témoins de la foi, de l'espérance et de la charité dont Jésus veut se servir pour le triomphe de son amour. En ces temps d'épreuve, tu nous appelles par notre pape François à vivre l'Évangile et à témoigner sans peur de la joie de l'Évangile. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahvé et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous ils sont rassemblés. Ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras et tu seras radieuse. Ton cœur tressaillira et se dilatera. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra plus, car Yahvé sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil seront accomplis. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Yahvé fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Cœur immaculé de Marie, fortifiez-nous. Cœur immaculé de Marie, fortifiez-nous. Cœur immaculé de Marie, fortifiez-nous. Cœur immaculé de Marie, rendez-nous confiants en Dieu. 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 Cœur immaculé de Marie, nous voulons votre triomphe. Cœur immaculé de Marie, nous voulons votre triomphe. Cœur immaculé de Marie, nous voulons votre triomphe. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et défunts reposent dans la paix. Dans la tombe, on met votre corps, il sentira plus beau, plus fort. Premier vainqueur de la mort. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Ô Jésus, nous allons embrasser la relique de ta sainte croix. Nous voulons certes te demander pardon de nos péchés, mais nous voulons surtout te demander la force pour témoigner avec détermination et conviction de l'Évangile et des valeurs non négociables. En embrassant ta vraie croix, nous te prierons aussi pour nos frères et sœurs qui ne te prient pas et qui vivent avec l'esprit mondain. Nous te confierons tout spécialement nos frères et sœurs persécutés en Syrie, en Irak, en Libye, en Afrique, au Moyen-Orient, en Égypte et en tant d'autres pays du monde. Qu'ils ne se découragent pas, ils fécondent la mission de ton Église. Nous n'oublions pas ceux qui sont découragés à cause des divisions dans leur famille. Que de familles blessées. Nous te confions spécialement le prochain synode sur la famille, famille qui est tellement attaquée en notre temps. Nous te prions enfin pour les enfants sans famille, les enfants soldats, ceux qui sont enrôlés pour des trafics de drogue et ceux qui sont victimes des péchés d'adultes. Cette croix que tu as embrassé avec tant d'amour pour accomplir l'œuvre de notre rédemption, nous voulons l'embrasser avec confiance, amour et reconnaissance. Ayez pitié de nous, Seigneur.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. À la page 164. Hosanna à la Sainte Croix de Jésus, vainqueur s'avance. Célébrons à haute voix et sa gloire et sa puissance. Croix du Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ, nous t'adorons. Croix du Christ, nous t'acclamons. Jésus-Christ.